Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Thomas 102. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Ghost. Je vais vous montrer comment rester sur la carte Strike Zone d'origine après avoir lancé une KEM. Donc normalement, ça devrait vous téléporter dans le ciel sur une autre carte qui est, elle, détruite. Alors que là, grâce à ce glitch, vous resterez sur la carte qui n'est pas détruite où vous êtes avant de lancer la KEM. Donc tout d'abord, il faudra bien sûr avoir la KEM, vous ou un allié de votre équipe. Car si c'est un ennemi, ça va vous tuer et donc vous pourrez pas faire le glitch. Et vous devrez avoir des vestes balistiques. Donc n'importe qui pourra faire le glitch tant que les vestes balistiques sont dans votre équipe. Donc ensuite, vous allez les lancer au sol. Vous allez dire à votre ami ou à vous-même de lancer la KEM. Et une fois que la KEM sera à 0,5 secondes d'exploser, il faudra faire carré pour prendre les vestes. Et normalement, vous allez rester sur la carte d'origine sans vous téléporter au-dessus. Donc c'est un glitch assez fun à réaliser pour troller et faire par exemple des cache-cache, etc. Vous pouvez le réaliser en ligne si par exemple vous ne voulez pas mourir après une KEM ou des petites choses comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que ce glitch vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et pourquoi pas vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye les gens!